Merde, je suis tombé. Et bonjour YouTube, comment vous allez? Très heureux de vous retrouver pour le deuxième épisode de New World. Rappelez-vous, on avait commencé la dernière fois toujours avec Euronce, nous sommes toujours en live. Salut Euronce. Salut, salut. Et on s'apprêtait à aller rendre la quête à... je sais plus comment elle s'appelle, à... Charity. Bon, parlons à Charity. Hop, on termine la quête, on reçoit donc un arc en bois, les amis, donc j'espère que vous allez toujours bien. Moi, il me plaît bien en tout cas le jeu, en tout cas sur la première partie. On va voir si ça continue. C'est niveau combien, là ? Moi ? Ouais. Niveau 4, je crois. Okay. Pourquoi ? Je viens de passer niveau 5. Mais par contre, j'ai ma barre d'XP qui est... Ah non, ok, c'est qu'elle est vraiment basse. Ah, j'aimerais quand même en vrai voir si on peut pas calmer l'interface. Je vais me mettre dans la santé. Hein. Ah, je sais pas. Dextérité peut-être avec l'arc. Je vais me mettre dextérité avec l'arc. Et donc, maîtrise des armes. J'ai un point à mettre ici. Inflige 5% de l'accélération pendant 10 secondes. C'est quoi ça? Temps de recharge. Un coup à l'extérieur qui inflige. On va prendre ça, tiens. Hop. Voilà. Alors, j'arrive pas du tout. Non, chercher les registres des vestiges. Ah, mais c'est pas du tout là où j'étais en fait. On va fabriquer de la bouffe. On va faire de la bouffe un petit peu, les amis. Alors. Ah, on peut se faire des haches et tout. Petite ration énergétique. Ok. Yeah. On va en faire le maximum, hein, la petite ration énergétique. Ok, donc il y a des coups critiques dans le jeu. Voilà, équipé. Alors est-ce que ça vaut le coup de faire une arme, une autre arme ou pas? Je sais pas du tout. Soit bah, je peux faire une hache de bûcheron silex. Bah en vrai, t'es au début du jeu, si c'est pas trop cher, vas-y en soi. Et de toute façon, tu XP avec tout dans le jeu. C'est bois et silex. Bon bah je vais fabriquer. Ok. Si ça coûte pas de l'argent, c'est rentable. Ça ne coûte pas d'argent. Et on rappelle, hein, l'économie du jeu, c'est une économie 100% créée par les joueurs. C'est pas dépendant des développeurs. Du coup, j'en suis censé en avoir 4 là, c'est ça? Ouais, c'est bon, j'ai les 4. Donc je peux me servir des 4, je suppose, pour faire des trucs. Ok. Et l'espadon en bois. Je peux faire un espadon en bois aussi, mais je sais pas si ça vaut le coup. Bon, je vais le fabriquer, ouais. Je sais pas ce que ça vaut. Faut que j'arrête de tout taper, putain. Score d'équipement potentiel 100. Et là, je suis à combien du coup avec mon épée là? Je suis à 100. Okay, espadon Vétus. Donc, si je fais ça, on va voir, les amis. Hop, équipé. Bon, là, j'ai fait à peu près tout ce que je pouvais faire en soi. Ouais. Et donc celle-ci. Ah ok, donc ouais, ils ont quand même du... Dieu. De la... Ça se casse au bout d'un moment, je pense, les armes. Ah, de la durabilité. La durabilité, voilà, je cherchais le nom. Merci. Ingrédients de transformation. Ok. Tanin. Et... Ok, bon, je sais pas trop à quoi ça correspond. J'ai des cartouches, j'ai des flèches en silex. J'ai un vieux biscuit de mer. Au mousquet, je crois, tu peux jouer au mousquet. J'arrive pas à trouver le pavillon de navire là. C'est là. Ah bah celle-là, je suis vraiment trop con. Ça, on va le mettre là. Voilà. Ah, mais du coup, j'ai tout ça.
Oh, vas-y! Il fait combien? 104? 103, 104, 100. Qui me reste 110, 104, 110. Ok, ah oui, mais du coup, ah oui, j'ai reçu l'arc. On a reçu l'arc en bois du coup. Bah, pas moi, parce que j'ai pas fini encore. Mais... On a reçu l'arc en bois. Alors, comment ça marche pour switcher d'armes du coup? Ah, c'est avec E. Enfin, de ce que j'ai compris. Enfin, okay. Et la touche ouais, 1. Ouais, effectivement. Ah, il faut que j'équipe mes flèches. Oh, l'enfer du truc. Hop, on équipe les flèches. Et donc là, je vais reprendre un peu de silex au cas où, on sait jamais. Alors, attends, si je vise sanglier, tiens. On va acheter les sangliers. T'as vu, il y a un cycle jour-nuit qui fait nuit, là. Oui. C'est cool. Alors, je vais rendre ma quête, moi. Ah oui. Ah, ok. Donc, par contre, je sais toujours pas comment on court. Ça, c'est... Ah oui, c'est quoi pour revenir à l'ancienne arme? Comment on fait pour revenir à l'ancienne arme? Ah, je sais pas. Oh. Ah, tu peux switcher facilement, il avait 10 Zera. Je sais pas comment ça marche. C'est quoi cette touche là? C'est ça? Ah, c'est cette touche là, ok. En fait, ça bouge un peu. Alors là, j'ai pas encore compris comment ça marchait du coup. On va dépecer le sanglier. Hop, allez, on y retourne. Alors comment ça marche? Parce que... Ah ok, c'est clic droit. Et du coup... Et clic gauche pour tirer. Ok. Ok, ok. C'est bon, j'ai compris. J'ai compris pour l'arc. Et je voulais tenter quand même le... Il faudra aller dans la grotte. Ben, j'irai avec toi. T'es où d'ailleurs, là? Je chasse du sanglier. Ah, t'es là. T'as un gros marteau! Okay. T'es bien habillé? Je regarde si je peux mettre des trucs en plus. Ah, j'ai. Donc, j'ai droppé un manteau en cuir, oui, oui, oui! Regarde! T'as quoi? Regarde, j'ai droppé un manteau en cuir. Putain, tu l'as eu où toi? Bah, j'ai tapé. Attends, je vais te passer un truc. Échange. Je sais pas comment ça marche, les échanges. Ok. Moi, je voulais te donner ça. Et... bah, des flèches en silex, tiens. Et ça, je garde, du coup. Et du coup, verrouiller, c'est ça. Ok. Donc là, faut que tu verrouilles de ton côté. Échange. Ok. Cadeau. Merci. Et normalement, tu peux mettre une armure maintenant. Alors, elle vaut combien? Ah, elle est moins bonne que mon... Bonne. Elle est moins bonne. Elle fait 101 et moi, mon haut, il fait 120. Ah oui, ok. Bon, ouais, tant pis. Bon, les flèches seront utiles. Je vais rééquiper mon épée, parce que je préfère l'épée, finalement. L'épée. Voilà, et puis, ma foi, je crois que moi, je suis bon. Désactiver mon... arme. Ah oui, cool. Que voulais-je voir? Ah oui, il y a le shop, il y a ça, ok. L'intérêt, c'est par contre les stats d'armure du coup. Physique, 114. Résistance aux dégâts physiques, ok. 114 d'armes. Le chapeau en cuir. Alors, je regarderai si on peut désactiver les affiches de tête. Probablement on va se mettre full en cuir. J'arrive, attends-moi! Je t'attends! Je sais pas comment on court dans le jeu. Chercher la source de l'altération. Ah, il y a
des trucs à ramasser. Ah oui, je sais que ça de t'attendre. Quel gros relou. Moi je découvre. Et moi aussi je découvre. Ah, on peut pas ramasser ça, tristesse. Et c'est un plaisir de pouvoir proposer des streams 1080p 60 fps, hein, c'est très qualitatif. Hop, ah, c'est alors. Toi. Oui. J'ai un chapeau. J'ai un chapeau pointu. Ah, ils sont niveau 5 dans cette zone-là, les mecs. Ouais, non, moi je suis niveau 5. T'es où ? Des réserves de ravitaillement. Là, j'ai pris l'autre chemin. Donc... Attends, j'arrive. En tout cas, t'es en train de faire un carnage. J'entends des gens mourir. Alors, t'es où, toi ? Ah, t'es passé par là. Okay. Quoi ? Hein ? J'ai gagné. Oula. Merci de ton aide, en tout cas. Trop sympa. Je sais pas où t'es, mec. Mec, je sais pas du tout où t'es. Ah, d'accord, faut taper ça. Ah, donc du coup, c'est pas... C'est... On est ensemble, mais t'as quand même des trucs où faut... Où c'est à toi de le faire aussi, quoi. Bah, c'est possible, genre, c'est juste que je te suivais pas. Bon, c'est un mini... Tu vois, il y a un mini boss à battre, c'est pas très compliqué en soi. Mais c'est que je t'ai pas suivi, hein, tout simplement. Alors. Ah, c'est lui le mini boss là. Ah oui, d'accord. Ah bah oui. Oh. Il faut pas mal de choses, mais je sais pas trop à quoi ça sert pour l'instant. Ah, on est obligé de retaper la membrane à chaque fois. Ouais, la respawn, c'est pour ça à mon avis que je t'ai pas vu. Parce que j'avais pas compris que c'était un truc à taper au début. Là j'ai eu 3 rapières, what the fuck. Ah mais il a respawn. Ah non, c'est... D'accord. Ah, faut aller en haut. Je sais pas, je fais le tour. Ah, il est pas battable lui? Bah si. Bah non, j'arrive pas à le taper moi. Ah oui. Ah, ça doit être un... C'est soit un bug, soit un autre mec l'a tapé. Ah oui, c'est parce que c'est marqué retraite en dessous de son nom, peut-être, ouais. Peut-être raison. J'ai eu des cartouches et un vieux biscuit. Oh, j'ai eu des cartouches, ouais. Double tristesse. Alors, pour moi. Il y a des dégâts de chute, hein, donc faut pas faire le con. Ouais. Ah, lol. Le mec qui dit ça. Il saute dans le vide. Ah, bien se passer. Ah
Du coup, tout est barré, c'est ça? Non, c'est là. Je ramasse les arbustes. Du coup, alors, est-ce que les... Ah, les haches, c'est pas fou. Le bâton de vie, ça fait quoi, alors, du coup? Ça heal tes alliés et tout, je crois. Et tu dois pouvoir taper avec, j'imagine, mais... Ça a pas l'air de heal, hein. Bah, si, c'est la classe healer, mais je sais pas comment ça marche après. Bah... Oh, il y a une histoire de ciblage d'alliés ou je sais pas quoi. Je vais le tenter contre un sanglier. Viens là, le sanglier. Par contre, la visée. Ah, et tu leur fais des dégâts. Ah, ouais, par contre, au corps à corps. Je vais se dépecer. On est encore à la base hein, pour l'instant. Ah bah, de toute façon, oui, on va rester à la base, je pense, pendant plus d'une dizaine d'heures de jeu. C'est un MMO, hein, faut pas être pressé. Hein. Et vous nous débarrassez déjà de l'altération. Assez un peu. Eh bien, j'en sais fichtrement rien. Certains d'entre nous croient avoir la réponse, mais allez savoir. Ah, je tortue. En vrai, c'est drôle. Que les dieux soient liés. Cela dit, même si la source de l'altération a disparu, c'est vraiment mauvais signe. Il faut avertir la colonie des falaises du roi de ce qui s'est passé. Écoutez l'histoire. Nous devons les mettre en garde. J'aurais préféré que nous y allions ensemble, mais mon devoir m'impose de rester ici. Vous, allez-y. Apportez ce message à l'administratrice Saville. On craignait depuis longtemps que l'altération nous attaque comme ça. Oh, elle est grande quand même la carte. Bon, ça va encore, je trouve. Que préconisez-vous? Ouvrir la carte. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette carte? Vous disposez de 1 point de réputation des territoires dépensés. J'ai peut-être fait de la merde. Comment? Non, j'ai cru que j'avais fait de la merde, mais non, ça va. Tout va bien. Ouais, bah, je vais reprendre mon épée, moi. Pour l'instant, je suis bien avec l'épée. Je sais pas quoi monter là en réputation. Ah ça j'ai pas regardé, c'est vraiment que j'ai pas regardé. Et il me l'a volé. Méchant bonhomme. Incontournable. Hop. Ok, ça c'est quoi ça? Ok. Dépeçons le sanglier. Gratuit, on peut se respecter. Ok, ok. Alors, du coup, ok, j'ai les deux nouvelles attaques. Enfin, j'ai une nouvelle attaque, du coup. Franchement, je dois la charcuterie, c'est pas bien. Je
Il y a 5 trucs délicieux dans les pieds, dans les pieds. Auriez-vous vu le chariot ? Les entrées sauvages dans Eternum n'ont jamais été sûres, mais les routes. Je n'avais jamais rien vu de tel. Des sangliers coriaces ont surgi de nulle part et ont dévoré toutes mes truffes. Oh. Pourquoi ferait-il une chose pareille ? Comment voulez-vous que je le sache ? En quoi puis-je vous être utile ? Acceptez la quête. Équiper la fossile de l'herboriste. Oh, c'est quoi ça? C'est un sanglier ça, mais c'est pas un sanglier comme les autres. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? J'arrive. Attends-moi, je veux taper moi aussi. Oh, au revoir. Juste au revoir. C'est quoi? Il est où? Let's go. Il est niveau 5. J'ai l'impression de rencontrer un troll dans le Valheim. Ah oui, ça tape un peu quand même. Ouais. Attends, je me lose et je reviens. Attends, t'es où? Je suis en train de le boloss là. Je vais mourir, mais je suis en train de le boloss. Je suis bloqué dans un arbre. GG. Merde, je vois rien. Ah, t'es en train de le dépecer? C'est long. Ok. Cueillir truffes délicieuses. Ok. Après, en soi, c'est les quêtes annexes, y'en a pour 2 heures, quoi. Ok, 1/5. Tu l'as fait, toi, la petite quête annexe ou pas? Ouais. De toute façon, je vais en faire pas mal. On va full jouer. Bah ouais, je pense qu'on va faire que ça. Ah, faut train. Oui, bah Rocket League aussi. Rocket League, mais, ouais, j'attends beaucoup de ça, les amis. Hein. Les semaines qui arrivent, à mon avis. Allez, moi je m'attaque à un sanglier niveau 3. Lui, il est moins violent. Putain, je suis hyper lourd en... par contre. En... Et d'ailleurs, bien dans ce jeu, c'est que tout ce que tu fais te donne de l'XP pour ton personnage. Ok, il me faut d'autres truffes. Les armes. Attends, un petit peu la qualité du jeu. Laikina, je suis parti à la tombée du jour pour éviter un esclandre avec l'administratrice Saville. Mais elle m'attendait à la porte comme si elle avait lu dans mes pensées. Vous nous quittez? Quel dommage, a-t-elle déclaré. Vous allez beaucoup manquer aux falaises du Roy. C'est normal de me dire ça. Je me suis demandé une énième fois si ce que j'avais vu... si ce que j'avais vu sa vie faire cette nuit-là n'était qu'un cauchemar. Je t'entends dire que je suis trop paranoïaque. Je l'observe souvent. Elle semble tout à fait normale quand elle s'occupe des petits soucis de la colonie. Mais parfois, lorsqu'elle me regarde, j'aperçois une lueur soudaine dans ses yeux. Elle a peut-être toujours été là. Ou alors, elle me voit maintenant comme une menace. Je pars pour gré du vent. Si je continue vers l'est toute la nuit, j'arriverai d'ici le lever du jour. Les horreurs de la nuit ne sont rien comparées à celles que je laisse derrière moi. J'ai hâte de prendre un nouveau départ, Christopher. Ok, hop. Oh, c'est fou. J'ai les textures en ultra, j'ai perdu 30 FPS, quoi. What the fuck? Il était où le mec à qui on a parlé? Ah, je sais pas du tout. Enfin, il est plus... Il est au début de la route, quoi. Mais non, je sais même plus où qu'on l'a vu. Oh, faudrait que je me soigne un peu. Il était pas là?
perdu le mec. James, ça. Une dernière truffe. Oula. On va manger un peu parce que là. Il y a un mec rouge. Pourquoi il est rouge? Ah oui, bon, il est niveau 11, on va le laisser tranquille. Hein. Eh, hey, voleur de bouffe. Vas-y, prends-le. Bon, je sais. Alors. Pas, je sais, vraiment, je sais pas où est le mec. Bah, il est là normalement. Ah, il est là-bas. Où ça? Oh, la flemme. Ah, non, il a disparu en fait. Je pars par là, moi. La flemme. Il était censé. Ah oui, il a vraiment disparu. Oui, non, mais oui, c'est. J'ai fait trois fois le tour, hein. Je vais quand même lui rendre la quête, hein, mais. Je peux bien le trouver, ma fouille. Je suis du sanglier, moi, pour l'instant, là. En fait, la bouffe, ça régène full, lui. Je pense que j'ai fait l'erreur de manger plusieurs bouffes à suivre. En fait, je pense que t'as. Pourquoi ça te montre ta vie pendant un certain temps. Oh! Oh! Bouge, me dépasse pas! D'accord. Bah j'arrive. Non, me dépasse pas. T'as trouvé un truc, ne toi. Ne bouge pas. Petit cachotier. Non. Attends, chut. Il est où? Tu es bon. Il est où? Il est là. Non, il est pas où. Il est où? Vas-y, t'es là il y a 2 secondes, là. Là. À l'attaque. Mais viens là. Chet. J'ai trouvé il y a des loups. J'ai tué le loup. Ah, ok. J'ai tué le loup. Le loup. T'as pas vu le loup. Et ça donne quoi du coup? Sang de loup. Oh. Tu viens du sang de loup. Le DPS. Appuie sur W. Alors là, tout de suite, tu peux pas. Mais Je te promets, c'est drôle. W. Ah, il s'allonge. Ouais, c'est drôle. Tu vas pouvoir te cacher pour le PVP comme ça. Ah, je te préviens, je suis dans la forêt. Hein. Je sais pas où tu vas, toi. Ouais, je vais voir une indication de rendre une quête. Je vais juste voir si. Ah oui, non, j'arrive en ville, donc à mon avis, c'est pas ça. Non, mais je pense qu'il doit être quelque part par là-bas. Hein. Il doit être sur la plage. T'étais pas sur la plage ou je sais pas. Attends, je vais aller voir par. Je sais pas, moi, mes points verts, ils pointent tous dans la direction vers le haut. Quoi. Attends, je vais ouvrir la map en vrai. Ah oui, c'est ça, il est au début de la ville, ouais. Donc, il est pas loin de là où je suis. D'accord. Au moment, je continue d'explorer la forêt. Il me semblait qu'il y avait des dindons. J'ai vu des dindons. Les dindons de la farce. Ouais. Ah bah t'es juste là. Oh mec, c'est quoi du coup le sang de. Le jeu est tellement plaisant en fait. Tout est rapide à ramasser, etc. Ressources. S'utilise dans la fabrication d'objets. Je suis caché, tu me vois pas. Mais où est-il? Eh, en vrai, y a moyen de faire des cache-cache. Hein. Que là, je suis noir, on serait pas en groupe, tu verrais pas mon pseudo. Hein. Ouais. Je pense. Normalement. C'est un gros loup, ça. Ouh, c'est un gros loulou.
Oui, c'est un gros loulou, ça. On va le tabasser. Ok. Qu'est-ce qu'il me veut, lui, là? Mais du coup, il n'y a pas de... De PVP, du coup. Bah si, mais pas tout de suite, je pense qu'on l'a pas débloqué. Parce qu'il faudra qu'on choisisse notre camp, je sais pas quoi, entre les violets, les bleus et les jaunes. Attends, attends, touche le pas, je veux juste voir l'arc, ce que ça fait. Vas-y, tu peux le toucher. Et de ce que j'ai compris, le mieux c'est de prendre les camps où il y a personne. Parce que du coup, c'est plus... Enfin, en gros, le si tu joues avec, si tu vas dans le camp où il y a tout le monde, t'as moins de chances de pouvoir choper des thunes lors des rix et tout, je sais pas quoi. Ouais. Ok. Je suis pas fou, je suis sûr que j'avais vu un dindon tout à l'heure. Pas rêvé ? Non, je sais pas. Il faisait nuit et tout, donc ça arrive. Peut-être que c'est. Oh, il met des patates. Il y a un bivouac là. Ah, bivouac pas encore déverrouillé. Et ça c'est quoi? Ah, ici, si, dindon. J'ai bien ce qui me semblait, j'ai vu un dindon. Il y a un mec qui est niveau 52, qu'est-ce qu'il fout là quoi? Rocher. Ouais, le son il est très bien fait, je trouve. Ouais, c'est assez cool. Je casse de la pierre. Ok. Je suis bientôt niveau 7. Tu sais, il y a full bivouac en fait à l'entrée de la ville. Le jambon et dragon. Il m'a dit patate. Ah mais t'es encore la patate. Je fais demi-tour. Il y a full arbuste et tout ça. C'est bien qu'on ait vraiment un impact sur l'environnement et que ça fasse chier les autres joueurs. Putain, je vais regarder mes améliorations. En vrai, la force, ça me dit bien. La forme aussi. Je vais mettre 2 points dans la forme. Et 2 points dans la force. Intelligence, je pense pas que je... Ah si, intelligence, c'est pour les armes et tout. Bah pour le moment, moi, je suis spé force. Hein. Je vais monter que la force pour l'instant. T'as monté que la force, toi? Bon, je vais monter niveau 20 et après, je monterai le reste. Ah, j'ai une réputation de territoire à choisir. Taxe de poste. Réduisez les taxes de fabrication de 5%. Réduisez taux de taxe commerciale de 5%. Augmenter rangement de 25%. Ah, le rangement, ça peut être pas mal, je pense. Hein. C'est dans les réputations de territoire, non? C'est ouais, dans quoi? Ouais. Ouais. En vrai, je pense que je vais prendre rangement. On va prendre rangement. Et du coup, dans le perso, je peux encore améliorer l'arme. Ah, c'est quoi ça? Confère du courage à stock inversé, ce qui rend l'attaque inarrêtable. Déplacez-vous 33% plus vite en parant. Les parades vous confèrent un renforcement qui inflige 3%. Et ça, c'est le troisième attaque, du coup. En vrai, je pense que je vais prendre l'âme virevoltée. Précision. Les chances de coup de critique avec l'épée augmentent de 10%. Ah, je vais prendre ça. Ah, parce que je peux prendre là aussi. Ah non, défenseur, je peux pas prendre. Si, je peux prendre bouclier solide. Ah, mais le bouclier, j'utilise pas de toute façon. Hop. Well. Alors, voyons voir ce qui est. Visitons un peu la ville.
qu'on a? Forge 2. Ah, du coup, on peut fabriquer pas mal de trucs. Ok. Une petite particule là. Intéressant. Alors, du coup, là je. Ah, allez. Ok, donc il est bien là, au place How, il est là où je suis. Donc tu pourras lui rendre la quête. Tailleur de pierre, ok. Mais le tailleur de pierre, on n'est pas au niveau encore pour. Esteban Gomez, qu'est-ce qu'il me veut lui? Les forges des falaises du roi produisent ouais, les meilleures salut. Armes et armures d'Eternum. Ok. Ah, c'est le rangement là. Ok, j'ai trouvé l'abri de rangement. Alors, le rangement, c'est pareil du coup. Il est. Bah, il est à ta ville et du coup, il sera pas disponible. Ouais, mais au moins, m'enlever tous les vêtements que j'ai en trop là. Ça me sert à rien, ça me sert à rien. Ça me sert à rien. Je sais pas si on peut les revendre après les trucs en trop. Si normalement tu peux vendre, tu. Je pense que tu peux aussi démonter. Ça on s'en fout. Ça du coup bah je vais les garder quand même au cas où. Ça je vais le déposer là. Ça je vais le déposer là. Ça je vais le garder, ça aussi. Ça aussi. Ah c'est un bâton de feu et bâton de vie en fait. Ok. Ça, on va les enlever. Ça fait, ça met du poids alors que. Ah, t'as acheté des maisons, mec. Sérieux? Trop bien. Ouais, viens voir où je suis. Il faut des réputations et genre beaucoup d'or, mais. Fonderie, chipotée. Atelier de menuiserie. Ah si t'es là, ok. Regarde, mets-toi devant la barrière. Ah ouais, homme de maison, 10 millions. Ouais. Non, 10 000. Ouais, non, 10 millions je crois. Maison vide, actuellement accessible au public, entrée. Oui. Il y a du housing et tout. Ah 10 millions ça. Ouais, ça fait cher. Après... On dit c'est plus 10 000. Bah non. 10 000, c'est. Oui, non, c'est bien 10 millions. Hein. Non, pour moi, c'est 10 000, 10 000 c'est et 0 centimes. 10 000, 0 centimes pour moi. Ouais, tu penses, ouais. Bah, pour ouais. Moi, c'est ça. Ouais, tu dois avoir raison. Là, il y a un truc, je sais pas ce que c'est. La vie au chat. C'est du blabla. Ouais, j'ai la flemme. Comment ça? Oh, franchement, ouais. T'abuses. Bon, bah, je lis pas non plus. Vous lirez, hein. Vous mettrez pause sur YouTube et vous lirez. Ouais, tu vois, là, c'est 5000, celle-ci. Mais on la voit où, notre or, là, nous? Dans ton fait table. Et t'as deux... Moi, j'ai 263. Tu vois ça où, toi? En bas, quand tu fais table. Ah, ok, j'ai 253. Ok. Je vais ouvrir, du coup. T'es où? T'ouvres quoi? J'ai des récompenses. Ah. Ouf, ah oui, c'est comme ça que t'as eu ton truc en tissu. Ouh, ça fout le lag. Dans la ville, ça lag un petit peu. Dans les... Ouais, bah le jeu a encore besoin d'optimisation, je pense. J'ai... Mec, j'ai drop un casque 458 d'armure. Quoi? Ouais, le masque de Noctambule. Comment t'as fait? Je sais pas, je l'ai drop en tapant des trucs. Ah, j'ai une sale gueule par contre, hein. Je suis vraiment pas beau. La t'es où chatte. T'es où ah, t'es je là. Suis. Enfin, j'arrive pas à bouger. Regarde ma gueule de con. Ah, j'avoue. Je sais pas si on peut cacher. Je vais aller voir sur internet. À chaque fois que je vois un nouveau, laissez-moi voir. Le pire, c'est qu'un vieux fou. Vous allez dans ton inventaire. Il est parti, déçu et en colère. C'est très probable. Il est temps pour nous de fermer les écoutilles et de barricader la colonie. Apporter le rapport de Charity au magistrat. Changer d'apparent. Comité de planification du territoire. C'est quoi ça? Attends.
Ah. Ah, tu peux améliorer des trucs pour faire agrandir la ville en fait. Oh, c'est fou ça. Augmenter le niveau de vie. Ok, c'est, ma... ah, c'est marrant. Je pense que quand t'achètes une maison dans ta ville, t'es prêt, faut que tu améliores ta ville, quoi, je suppose. Je sais pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a ? On va faire le tour un petit peu, c'est quoi ça ? Tableau des projets urbains, ok. Ça c'est quoi ? Tableau de guerre. Ah ok, donc en fait chaque ville, ça appartient à une faction, je suppose. Oui, c'est ça, ouais. Ok. Oh, par contre, je lag de ouf dans la ville. Hein. Oh là là, c'est un enfer. Laissez-moi deviner. Vous m'apportez. Je n'ai pas besoin de le lire. La tempête, l'éruption de la montagne du haut. Vous arrivez soit au meilleur moment, évidemment. Et je ne peux oublier notre sens de l'hospitalité. Vous devriez aller à l'auberge et vous y installer confortablement. Revenez plus tard et nous parlerons davantage. Elles sont un peu bizarres. Mais... Étrange, très étrange. Étrange. Bienvenue à l'ascension du régent. Chez nous, le client est toujours roi. Vous voulez une chambre? Faites comme chez vous. Oh, mais pas trop non plus. Nous y voilà. Même en terre étrangère, il faut apprendre à se repérer. Que vous le réalisiez ou non, je pense que vous êtes là pour aider les falaises du roi. Je m'attendais à cette question, aussi déplacée soit-elle. Oui, je me plais bien ici. Tiens, c'est quoi ça? Je vais faire rapide. Vous mettez pause dans les amis sur YouTube si vous voulez lire. Vous acquérir des réserves, on va pas perdre de... On perd beaucoup de temps déjà. Alloué un espace de rangement. Allez voir par vous-même. Voilà, Héloïse, du coup. De quoi, de qui? La quête à vie de tempête. Parler à Héloïse, sa ville. Oh, c'est quoi ta quête actuellement? Ok. Ouvrir le comptoir. Ah, ok. Donc j'y suis en retard, comme d'habitude. Je peux m'empêcher de demander si c'est bleu, rougeâtre, gnagnagnagna. Okay. Du coup, je me retrouve avec ça. Hache de bûcheron en silex et fossile. Ah, mais c'est des outils, ça. Fossile de récolte en silex. Donc, ok, bon, ça, on va prendre ça là. Hop. Et j'ai un chapeau 125. Oh, j'ai reçu un chapeau. Oui. T'es bon, j'ai enfin mon petit chapeau. Ok, donc là on est chez les violets, de ce que je comprends, vu que c'est violet. Oui, bah partout. Il y a des violets partout, ouais. Ça. Et donc on ne prendra pas les violets. Tant que je regarde la map, ouais, c'est full violet. Pourquoi tu veux pas prendre les violets? Mais parce que sinon on va se faire chier, on pourra pas taper les gens en PVP. D'accord. Bah oui, si on rencontre que des gens violets et qu'on est violet, comment on fait pour faire chier les gens? Oui, mais on va pas choisir tout de suite. Bah non, non, mais je veux dire quand on devra choisir, quoi. Le rapport de la défense, pas vrai? Il n'est pas besoin de le lire. Tempête, éruption de la montagne du haut chaos. Alors j'avoue que je sais pas du tout où je suis. Je n'avais pas prévu. Vous arrivez soit au meilleur moment, soit au pire. C'est là? Et vous avez oublié votre sens de l'hospitalité. Vous devriez aller à l'auberge et vous y installer pour votre académie. Revenez plus tard et nous parlerons d'avant. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir s'il y a un hôtel des ventes ici. Alors, bah, c'est le comptoir, justement. Ah, d'accord. Attends, faut y parler à l'auberge. Dedans, on peut acheter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vendre. Oh, c'est pas cher, 1 centime.
Non mais attends, acheter puis y a vendre après. Ouais, je vais tout vendre. Là, je peux vendre bois vert. Passer ordre de vente. Ah, c'est que tu les, en fait, c'est tu le mets en vente, mais après, il faut que quelqu'un te l'achète en fait. Mm-hmm. En gros. Ah oui. Oui. Ok. Bon, j'ai rien à vendre pour l'instant, moi. Tu vends quelque chose, toi? Oui, oui, il y a certainement des conneries que je vais pouvoir vendre. Je vais aller voir. Il faut que tu aies les trucs sur toi pour vendre ou... Alors, même, si c'est, même si c'est dans ta... Dans ton cabanon. Je sais pas du tout. J'ai l'impression que c'est même si dans ton cabanon, tu peux vendre. Donc, je vais vendre cuirasse de plate. Donc, passer ordre d'achat ou passer ordre de vente? Passer ordre de vente. Priorité 100, bénéfice par unité. Passer cet ordre pour 14 jours. La publication elle coûte 8 pièces d'or. Ok. Et si je fais passer ordre d'achat? Ah, c'est quand tu recherches un truc, c'est ça? Ok. Moi, je vais passer l'ordre de vente, hein, du coup. Attends. Attends. Il y a un truc que je comprends pas, là. Quoi? Là, si je veux vendre un arc de merde, j'ai combien en or? Ouais, c'est vrai, je peux vendre ça. C'est pas rentable du tout, what the fuck? Je vais vendre un... Ok, donc là c'est là où je peux tout vendre. Tu te rentable de vendre des tout petits trucs? Bah non. Un bâton... Ah, 14 jours. Ah, un jour. Ok, donc oui, c'est rentable si tu changes la durée, d'accord. Ok. Mettons, je mets 3 jours, donc ça coûte un 14. Ah, c'est 6 pièces d'or. Ok. Un jour. Ordre de vente actuel. Bah c'est, donc c'est rentable seulement bah si ça se vend, bien évidemment. Ils sont tous à 6 pièces d'or, donc voilà, on va mettre à 6 pièces d'or. Hein. Passer ordre, voilà. Et je voulais mettre en vente ça. Aucun ordre de vente en cours, ils le mettent à 100, bon, on va laisser à 100, on va le mettre un jour. Et puis voilà, passer l'ordre. Il reste sur les garder. Hein. Enfin, je sais pas si. En fait, je sais pas à quoi ça. Si ça, si ça va servir les ingrédients et tout ça, donc je préfère les garder. En soi. Oh non, mais c'est tout. Mes ordres. Donc, j'en ai deux. Oh, j'ai deux ordres de vente. Ok. Ah, ça vaut déjà un peu plus cher, ça. De quoi? Ah, j'arrive. Ok. Donc ça vaut 4,90. Donc je vais mettre, donc bon, comme d'habitude sur tous les mébos, je nique les prix. Hop. Tu mets plus cher? Non, je mets moins cher. Ah oui. Ouais, bon. Ah, ça se vend à 10, c'est marrant. Ça, je vais le déposer là. Du coup, là, je sais quoi, c'est à mon bâton de vie, bâton de feu, ok. Ça, je vais le garder avec moi, ça aussi. Ça, je vais le déséquiper pour le moment. Non. Et ça aussi. Ah, il n'y a personne pour vendre du moto en cuir. Ok. Attends, faut que je regarde d'ailleurs si il est meilleur ou pas que celui que j'ai. Ouais, ok. Eh bien, je pense que grâce à moi, la colonie vous est... Que vous le réalisiez ou non, je m'attendais à cette... Personne qui en vend... Alors, ça me coûte combien d'en mettre? Et sur ça que YouTube, on va arrêter la deuxième VOD de fin d'épisode 2. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et à laisser un commentaire si ça vous a plu.
Et puis on se retrouve très très vite pour le troisième épisode de New World que je kiffe toujours autant. Okay. Merci d'avoir suivi et on se retrouve très vite pour la suite des aventures. Allez, bye YouTube. Bye YouTube. Voilà, pomme brute.